précédemment. J'aimerais que tu fasses de moi un humain. Avec ton nouvel avatar dessiné exprès pour, tu feras en sorte que ta vidéo fasse plus de vues que celle de Buck. Et surtout, quand like tu le dépasses. Et maintenant, un peu d'histoire. Au départ, il n'y avait rien. Ensuite, quelque chose. À la naissance de l'univers, fut créée 5 gemmes magiques. La gemme de l'analyse, la gemme de la suspicion, la gemme de l'art, la gemme de l'humour et la gemme de la curiosité. 5 gemmes ayant un pouvoir quasi similaire à la noix légendaire. Cependant, depuis qu'elle fut brisée en deux parties et liée à 2 créatures badass de la mort qui tue, sans le consentement de ces 2 créatures, la magie ne peut opérer. Et comme la blondasse n'a pas de volonté, je me dois de trouver ces gemmes qui ont rejoint naturellement des hôtes liés à leur pouvoir. J'ai déjà récupéré en Scred celle de l'analyse, de la suspicion et de l'art. Seulement, les gemmes les plus puissantes sont sous la protection des gouvernants du royaume. Le plus dur n'est pas encore passé. Gus, Gus, tu te lèves? Tu avais promis une vidéo pour septembre, tu te rends compte? En plus, tu vas avoir l'air fin avec cette dégaine. Oh mais enfin Lucette, tu déconnes, grâce à Meiko je suis... Oh le cauchemar, merci Célia avec tes délires sur Discord. Sinon, tout est prêt? Oui, tous tes machins de Megaloman sont installés. Dépêche-toi, ils vont pas attendre 6 ans devant leur écran. Mesdames et messieurs, après 3 mois, enfin presque 4... Vous l'avez attendu? Il vous a bien fait attendre. Voici le nouveau, l'insupportable, l'exécrable Geese Geese! Coucou noble paysan, c'est le nouveau Gus Gus. Je vous rappelle tout de suite que selon mon contrat avec l'autre Kikujap, que si cette vidéo ne fait pas énormément de pouces bleus, elle passera en non répertorié. Hashtag sauf Gus. Nous allons faire un top 5 des films Disney qui vont vous étonner, car Disney possède d'autres boîtes de réalisation. Et oui, ils sont autant Disney que les derniers Star Wars ou Marvel réalisés depuis leur rachat par la souris. Et donc bien plus Disney qu'Anastasia, car créé par la Fox avant le rachat du studio. Attention, à partir de là, ça ne va plus être trop marrant. Je ferai de mon mieux pour éviter les images choquantes, mais tu es prévenu. Halloween, et oui, il y a bien eu des films d'horreur créés par la petite souris, et encore, vous n'avez rien vu. Scream! Ah, je vous avais dit, hein. Ces films étant des incontournables du cinéma d'horreur, il n'est pas évident de rapprocher ta petite Elsa de cette obscurité. C'est bien dommage. Numéro 3, Scary Movie. Eh ben oui, désolé, Disney a fait dans l'humour, gore et salace. Désolé, je mettrai pas plus d'illustrations pour des raisons évidentes. Non, je ne ferai pas de montage avec Elsa non plus. Numéro 2, Kill Bill. Alors, Princesse Leia est une princesse Disney, et Anastasia aussi. Eh bien peut-être, mais sache que le personnage principal de Kill Bill est une princesse plus légitime qu'elle. J'imagine ta tête. Bon, désolé Gus, mais je m'accrus dans la vidéo, là. Tu t'étonnes de ne pas avoir d'audience et tu te moques des viewers? Eh ben, c'est pas ce que font tous les plus grands youtubeurs. Eh bien, disons que... Et le numéro 1, Starship Trooper. Alors, vous n'aurez vraiment rien sur ces films de ma part, ils sont vraiment très gore. Si vous voulez comprendre pourquoi ce film est numéro 1 de ce top, cherchez vous-même. Mais je vous préviens, c'est vraiment, vraiment sanglant. Ils font partie pour certaines personnes des films les plus gore. En gros, des araignées extraterrestres viennent déchirer des humains. Et... voilà. J'espère que ce top vous a plu, je compte vraiment sur vous pour les pouces en l'air. Allez, bisous kiss. Tu avais raison, tonton. Les gens ont l'air de te préférer comme ça. Oui, super, et je suis vraiment content de voir que cette fois-ci, aucun parasite ne soit rajouté à la famille Gus. Mais tonton, je suis arrivée dans le trou d'une vidéo. Oh non. Yo yo yo, wesh, salut tonton, ta vidéo était trop dark, je kiffe sa mère. Oh, fichtre. Lucette, pourquoi tu ne fermes pas les portes? Ouais, ouais. Non mais attendez, on est trois maintenant, ça veut dire qu'on peut faire un groupe. Ouais. Oh, merde. Maintenant.